Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur parce que vous rejoignez nous. Et dans quelques secondes, nous supposons rester avec vous sur la radio Télé Cristal qui te ban nous une invitation très spéciale. Et m'a demandé avec pasteur Belloni et qui a fait un bon travail. Félicitations, félicitations. Et nous glorifions le Seigneur pour ça. Pour bon travail ça. Et n'a pas avant même nous gagner pour nous délivrer message pour même journée jeudi hein. N'a pas profiter saluer toutes amis, toutes internautes qui branchés. Et surtout, rendez-vous ça, c'est pour la radio Télécristal que lié. Rendez-vous ça, c'est pour la radio Télécristal. Donc, c'est une façon, justement, pour nous capables et partager l'évangile là avec vous. Et moi, je voulais de toute façon qu'on ait qui ça davantage que bon Dieu a fait dans vie ou dans année ça. Je voulais connaître ça. Qui j'aime voulait connaître ça. Je connais déjà que l'a fait de grandes choses. Moi je voulais le river sous moi. Moi je voulais le river sous moi. Donc c'est une raison qui fait n'a pas invité tous tes amis partager lien et n'a profité saluer tout frère acteur qui déjà branché et nous dans troisième jour de l'année. D'ordinaire le nous dans premier mois comme ça nous toujours à compter nous toujours gain tendance pour nous contrôler jour yo mais après le nous fin passer quelques jours ou bien nous passer un mois donc nous pas gain contrôle ça encore donc voilà nous justement nous saluer tout frères amis et de la France Europe, Chili, et Brésil, le Canada, les États-Unis, Haïti, tout entière, et tout frère nos amis nous qui branché ça ou qui dans confinement, ça ou qui traversé année en dakay, ça ou qui traversé année si vous voulez dans travail, ça ou qui traversé année sous cabane l'hôpital, et nous dou bon courage dans le Seigneur, qu'en bifem. Nous voulons partager prédication que nous gagnons ensemble avec vous sous panel ça et qui est relayé par la radio Télé Cristal en France. Nous voulons partager message de l'année ça avec vous qui c'est à de nouveaux combats. À de nouveaux combats. Et année 2021 passée donc pratiquement si on dit son bilan ou même qui gagne 30 ans, ou même qui gagne 40 ans, ou même qui gagne 50 ans, ou même qui gagne 11 ans, 15 ans, si vous voulez, quel que soit l'âge que vous êtes capable de gagner, on dit, dans chaque premier jour de l'an, ou bien chaque fin d'année, vous toujours un bilan que vous voulez faire dans la vie. Et si nous avons parlé de bilan, et bilan nous, franchement, la plus lourd par rapport avec ça que nous connaissons, qui vient dans l'année. Nous voulons partager thème ça qui avec vous journée jeudi hein qui c'est à deux nouveaux combats on l'autre combat qui commençait et me voulais souhaiter avec chaque frère et sœur qui branché et qui croisé nous sur Facebook pour pendant que vous t'a passé vous attendez notre ça me voulais dire bon combat dans le Seigneur bon combat dans le Seigneur non mais et partager texte ça que nous trouvé dans Exode chapitre 13 et n'a fait un parcours dans Exode chapitre 13 pour nous aller dans chapitre 14 15 16 et pour nous même arriver souvler dans 17 mais n'a prêté dans chapitre 16 là. Donc son parcours est intéressant pour lire Bibou avec nous pour l'île pour continuer l'île ou même quitter qu'on appelle l'île déjà mais continuer l'île parce que il y a une vérité fondamentale là-dedans. Donc à de nouveaux combats. M'a fait cette lecture ça pour vous que nous trouvons dans Exode chapitre 13 verset 17-18. M'a pris le très rapidement
Il dit, lorsque le pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des gens. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Je reprends. Lorsque le pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Parole du Seigneur. Comme je vous le dis, n'a bien plusieurs enchaînements de plusieurs textes que nous va lire pour enchaîner question de son autre combat n'a mené à de nouveaux combats. Combat passé à le passé, si un soldat qui était tombé, relevé. Si un soldat qui était tombé à terre, soldat ou était blessé, aimer prend soin, relevé pour nous capable pour l'autre ligne, pour nous cap qu'un bon ligne, pour nous capable pour l'autre chemin. Alors nous sous même chemin pour nous capable avancer disons. Donc Dieu, je veux parler maintenant du passage de la mer rouge des Israélites. Le passage de la mer rouge, ça c'est le premier aspect que nous avons considéré. Le passage de la mer rouge, nous avons considéré le premier aspect ça. Le premier aspect ça qui c'est le peuple de Dieu et les Israélites, les Hébreux, tout d'abord, ils ont gagné un plan que bon Dieu t'a établi sous vie. Soit pour monter depuis, soit Abraham, Dieu t'a dit à Abraham, eh bien, m'a béni ou va en grande nation. Et ou pral gen pour passer un nombre de temps dans un pays étranger. Donc ça c'est promesse qui était faite avec Abraham, mais Dieu pas rentré dans détail pour lui dire peuple ça pral souffrir en pile. Il pas trop rentré dans détail pour te dire Abraham mais qui ça pral passer. Mais te fait le connaître que peuple pral grossir dans un pays étranger. Et c'est alors que le peuple d'Israël est sous l'égide de Jacob. Et sous appel de Joseph, Joseph t'est voyé les papal avec les 70 membres des Israélites et puis il était rentré en Égypte. Et il était rentré en Égypte, il était installé à Gozen. À Gozen c'était meilleur côté que et la famille royale était capable qui était capable rester à Gozen. À Gozen. Maintenant, ça ne dit pas parce que il était à Gozen, il pas de connaître douleur. Mais après Joseph pral fin mourir. Texte là dit comme ça, yon roi qui pas connaît Joseph même, le pharaon qui n'avait point connu Joseph, et mais qui ça l'était fait, il était prend peuple là, il mettait en esclavage. Donc ça sont fait historique côté que et dynastie qui t'ai gagné hein, équipe qui t'a dirigé au temps de Joseph, c'est équipe que le peuple égyptien était farouche avec et Israël était farouche avec dynastie ça ou bien était farouche avec gouvernement ça c'est un coup son gouvernement qui était supplanté et bien était vinn gen petit peuple qui pas t'a diriger c'était des étrangers qui t'a diriger à l'époque mais puisque le petit peuple a vinn prend renan vinn prend pouvoir là et bien ça vinn fait pharaon ça renversé et tout gouvernement tout bagay qui te gagne tout ministre qui te gagne renversé yo et puis yo pas danser coller avec étranger même du tout donc yo dit comme ça même bagay là pour pas arriver nous pendant que peuple ça son peuple étranger qui a grandi dans mitan nous pas pour yo pas prendre l'autre nation vienne mettre avec eux vienne renverser nous sous pouvoir pour yo pas diriger et ben nous même n'a prendre le devant en nous montrer nous intelligent n'a mettre eux dans l'esclavage et c'est ça que fait pour Joseph qui t'a servi égyptien yo comme étranger comme premier ministre et puis pour vinn wè gon transition qui vinn fait au lieu c'est féliciter peuple là au lieu c'est encadrer peuple là mais c'est dans l'esclavage yo vinn mettre donc pour bien comprendre histoire là c'est ça que t'es fait maintenant après que Dieu fin parler avec Moïse pour dire l'a délivrer le peuple d'Israël texte que nous t'appelons à le Dieu dit, li fait peuple là après délivrance, premier né tout ça qui finit mourir en Égypte, li fait peuple là diriger vers la mer des gens, ça nous relie la mer rouge là. Pour quelle raison
bon Dieu pas quitter au passé. Bon, l'homme t'est content de, je pense que vous posez cette question ça. L'homme t'est content de, Israël ou bien Jacob ou bien Joseph sorti en Canaan, là en Égypte, pas de question la mer Rouge, pas de question la mer des gens. Mais par le fait que nous vin le peuple a pral traverser, le peuple a pral retourner en Canaan, nous vin tendre question la mer. Donc pas de jam te gen la mer dans route là. Route qui t'est pour mener sorti Égypte pour aller en Canaan, ou capable faire plusieurs routes. Mais gen deux principales routes, c'est une route qui plus proche qu'on passer par les pays des Philistins, on passer en pile parce que à l'époque Israël quittait Canaan, dans l'époque ça pas gagné tout peuple ça yo qui était en construit. Mais 430 ans après, tout terre yo vinn plein monde, vinn plein nation. Puisque tout terre yo vinn plein nation et Israël sont l'autre nation, Dieu gétant dit s'il pral prend peuple ça qui à peine sorti dans l'esclavage, qui pas fait pièce expérience de guerre, li pral mettre en face des Philistins, en face de l'autre nation qui gétant prend pied, qui gétant formé yo, peuple là capable regretter du fait que yo sorti en Égypte et yo ka retourner en Égypte encore. Pour cette raison, Dieu dit n'a pas le faire faire pays qui pi long lan, route qui pi long lan. N'a fait passer par la mer des gens pour aller dans désert et puis pour tomber en Canaan. Il y a bataille oui, mais yo pas bataille même j'ai ta bataille dans pays qui pi coûte là. C'est pour me dire que destin nous dans mes bon Dieu. Et bon Dieu connaît qui plan que le gagne pour la vie nous, il connaît qui gens pour organiser nous dans le temps. C'est Dieu qui connaît qui gens ça y est par rapport avec gens que t'a capable permettre que peuple ça pour t'a capable river aller la cali, li qui te connaît qui problème qui gagne, eh ben li camper li stopper. Donc li pral faire le peuple là, li pral faire et Israël passer dans pays qui pi long là, attendez bien oui? Et pas parce que li sans pitié, li pa gen pitié pour yo non, et pas parce que li pa gen pitié pour yo non, mais pour le faire passer dans pays qui pi long là, c'est pour capable aider yo pour yo pas tomber dans problème, dans problème en pile la guerre, en pile bataille là, c'est pour yo ka, c'est pour en façon pour yo ka organiser pour yo pas tomber dans piège ça. Pourtant, on parle bataille quand même. Donc, question bataille là, n'a toujours bataille comme chrétien, comme frère, n'a toujours goumé, n'a toujours bataille, n'a toujours vive, n'a toujours vive dans lutte là, n'a toujours mené en lutte, mais Dieu est au contrôle. C'est ça besoin qu'on ait pour Ania. Ou besoin qu'on ait, Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Puisque il gagne contrôle bataille là, puisque il gagne contrôle la guerre là, puisque il gagne contrôle ça qu'a fait là, et bien, il a orienté nous au bon port. Maintenant, il a orienté Israël, dans la route qui est longue. Il a fait faire la route qui est courte là. Pour épargner de la guerre, il a voué la route qui est longue. La route qui est longue là a bien la guerre quand même. Mais Dieu a baillé faveur pour être capable de résister contre les assauts du, et contre les assauts du, et démoniaques. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Au lieu que le peuple Israël là, au lieu que le prend route pour l'aller, pour le passer dans le chemin qui à pied sec là, qui pas gagne la mer, eh bien Dieu oriente vers la mer rouge. Gen un sœur qui t'a posé une question ça, m'a dit que la mer, les eaux, c'est symbole des peuples. La mer, les eaux. Mais l'eau en soi, c'est symbole de vie. Car Christ représentait la vie, ou Christ est la vie. Et il prend un exemple, il dit je suis l'eau de vie. Donc Christ est l'eau de vie. Nous-mêmes nous c'est des sources. Alors, nous c'est des fleuves, nous c'est de l'eau, nous gagne de l'eau dans nous qui baille la vie. Hein? Nous c'est des sources, des fleuves d'eau vive à couler en dans nous parce que Christ prend place dans nous. Donc, gagne plusieurs différences ou bien gagne plusieurs connotations que de l'eau a gagne. Mais type de l'eau n'a pas les là qu'on y a, c'est la mer. La mer que n'a parlé de l'IA, il symbolise les peuples, les nations. Il symbolise les peuples à travers la Bible. Figure que la mer gagne, c'est figure des peuples, figure des nations. Ou pas le l'eau a parlé de l'eau, gagne, gros vague qui campait. On dit,
la mer Pharaon des peuples d'Israël. On dit le peuple d'Israël, il campait devant la mer Rouge. La mer Rouge, tumulte, problème, et tête chargée, confusion. Là, il pral faire appel avec peuple là pour y rentrer dans une grosse confusion, dans une grosse tête chargée, côté que y pral murmurer. Et Dieu paraît même murmure. Donc peuple là commencer parler, il pral commencer parler. Yo pas devant la guerre, yo commencé parler. M'badou si yo était devant la guerre, si yo était commencé frapper avec Philistin yo. Yo pas encore devant la guerre. Dieu seulement fait au fond longue marche et puis yo commencé yo aller devant la mer. Mais forme zou période de temps pour yo faire dans route là. Deux quoi plus longue de Égypte à Canaan, yo doit faire environ 40 jours, 40 jours. Donc li gen temps arrêté pour yo faire 40 jours. Mais pendant que vous pral camper devant la mer Rouge, pendant que vous pral camper devant la mer Rouge, la mer Rouge c'est la mer Rouge au fait non seulement représenter les peuples, mais c'est un gros obstacle, c'est un gros obstacle lié. La paix bon Dieu avec vous. M'vle que au clair, m'vle que au clair et m'pa connais si nous bien recevoir moins, si nous bien recevoir même m'vle que au clair, m'vle comprendre ça qui a passé là. Pour l'esprit ou capable focus sur réalisation que Dieu lui-même l'a fait sur réalisation qu'a fait là. Donc normalement gagner gens que comprendre leur façon bon Dieu a orienté bataille là avant gagner façon bon Dieu a orienté ou même pour bataille il capable paraître un bagage que pas comprendre. Il capable paraître que on gens que ou pas comprendre. On gens que ou pas comprendre. Alors que ça qui est intéressant c'est que Dieu conduit le peuple d'Israël vers la mer Rouge. La mer Rouge, c'est symbole de problème, difficulté, tracas ou bien problème de souci. Ça qui va le passer. Pendant que peuple là devant la mer Rouge, peuple a commencé à parler en pile, c'est pas moun au fait yo wè qui devant yo, mais c'est la mer, c'est vague là yo wè devant yo, parce que la mer Rouge li tellement fond, la mer Rouge tellement dans profondeur, même si l'eau a ta fond, peuple a pas ka passer. Donc les Moïse remarqué gen gros problème qui dans question la mer Rouge là, et ben li a le code bon Dieu pour dire Seigneur, nous devant on bagay là. Nous en face yon problème là que nous même nous pas une solution pour lui. Et Dieu a dit à Moïse, gardez le silence et je combattrai pour vous. Restez calme. Gardez le silence. Soyez à la confusion, soyez à la souci, soyez à la ou regardez le temps que nuage il va disparaître devant vous. Mais maman doit un bagaille, prend bâton qui n'a mais on longer le soli. Et Moïse justement prend avant de faire ça, il dit peuple là, bon Dieu dit boum dit nous pas besoin parler en pile, nous mettre garder le silence et Dieu pourra le combattre pour nous. Gon phase ou rivé dans combat c'est POP, c'est silence au fait. Gon phase ou rivé dans combat ou pas battre corps. Gon phase ou rivé dans combat ça c'est pas combat pas oublier ou pas qu'à faire rien avec le peuple d'Israël. La mer Rouge qui t'est présentée devant, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez ça veut dire impossible? L'homme n'a pas fait rien dans ça. Bambo, caricature et la mer Rouge. La mer Rouge, il était environ 8000 mètres de profondeur. Profondeur que la mer Rouge te gagne, de surface terre côté où tu campé. Avec profondeur, la mer Rouge, c'est environ 8000 mètres de profondeur. C'est impossible, même si de l'eau t'a sèche. Même si de l'eau t'a sèche, pour le peuple t'a descendre là-dedans, c'est impossible. Parce que si de l'eau t'a sèche, ça pas de l'autre travail qui t'est fait, c'est on abîme les tapis. On abîme. Le peuple n'a pas qu'à plonger dans l'abîme. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est nature. Là, on dit, bon Dieu, fan la mer aux gens de là. Et pas seulement été fan, non? Faut regarder nature la mer. 8000 mètres de profondeur. C'est abîme. Maintenant, quand il finit de sèche, quand ça bon Dieu fait? Non, avant de dire ça bon Dieu fait, le doigt finit de sèche,
côté de l'eau passé pas jamais pas réellement gain tel là-dedans. C'est roche qui gagne côté de l'eau passé. En pile fois c'est roche qui gagne parce que terre a pas vraiment rété parce que le beauté terre. C'est roche qui gagne. Donc puisque gagne en pile roche, peuple a tap dans l'impossibilité pour yoter marcher dans roche ça yo que profond de la mer a gagne. Qu'on y a qui ça Dieu fait lui-même. Non seulement de l'eau a fan en deux, mais terre a monté pour le vin égal côté que peuple a descendu pour qu'a marcher à pied sec. Terre a monté. C'est pas seulement la mer qui te fait, mais une route qui trace. Et ça fait auteur acheter lui dit bon Dieu qu'on fait route côté que t'as semblé pas qu'a gagne route. Le n'a les lap travail nous pas comprendre. Grand pile monde c'est peut-être c'est première fois yo découvrir ça hein. C'est peut-être première fois yo découvrir que tu as un problème qui t'est posé dans la mer rouge là. Il pas seulement de l'eau à fond mais de l'eau à fond en deux mais gagne route là qui fait tout. De l'eau t'es qu'à fin fond en deux et puis peuple a pas qu'à traverser dans la mer rouge parce qu'ils sont abîmes là les tapis. Donc non seulement route la fin fond de l'eau à fond mais tout et terre a monté et Dieu fait une route qui accessible même voiture pharaon yo ka courir la dedans même char pharaon yo ka courir la dedans tellement son route normale qui fait et il a courir à toute vitesse parce que le peuple Israël a fini traverser la mer rouge là et puis là au campé l'autre bord rivière et l'autre bord la mer a qu'on y a pharaon avec toute l'armée li rentré avec toute face avec cavalier yo donc ça veut dire char yo kapoulé a et vinn gen facilité pour soldat yo vinn gen facilité pour soldat yo té capable courir char yo char de guerre yo eh? Est-ce que vous comprenez yo té capable courir char de guerre yo avec facilité parce que té gon bonne route qui fait faut imaginer ça té gon bonne route qui fait. Donc non seulement et de l'eau fond et li vinn t'assemblé yon non seulement t'assemblé yon abou on abîme mais li entre deux autres ça veut dire qui ça peuple a baptisé en dans la mer rouge traverser la mer rouge et puis le baptiser en dans la mer rouge parce que c'est abîme nan gonye en l'air c'est de l'eau gen de l'eau sous côté et puis gen abîme nan qui montait gloire à Dieu qui montait gloire à Dieu pour faire route là. Donc m'a dit ça, quel que soit muraille et embûche que gen devant ou, eh ben route la tracé c'est bon Dieu qui a tracé. On pas besoin parler en pile, c'est Dieu qui a tracé route là. Donc année 2021 qui paraît comme une année 2020 qui te paraît comme une année tracassante, mais année 2021, nous justement dans troisième jour de l'année 2021. Donc ou pas connait qui la mer captant nous ni ou pas connait dans qui ça captant nous puis devant même vle dou matin vle dou jodi a vle dou aswea quel que soit côté ou attendé moi si ou gen tan vite branché sur la radio télé cristal donc sou gen tan branché même vle dou jodi a et ben gon route cap tracé et route cap tracé a c'est pas ni gouvernement cap tracé c'est pas ni OMS cap tracé c'est pas ni c'est pas ni Nations Unies cap tracé. C'est pas ni gros tête qui cap tracé mais c'est l'Éternel cap tracé route là pour. C'est lui-même cap tracé route là pour. C'est pas ni famille qui cap tracé route là, c'est pas ni ou même cap tracé route là parce que le monde rive en côté que le compte pas être impossible. Il compte pas être impossible côté pour le traverser le compte pas être impossible. Mais impossible pas impossible pour mon Dieu. Impossible pour l'homme, c'est possible pour Dieu. Impossible pour l'homme, c'est possible pour Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à ou même qui croit ça. Donc route la fête dans la mer. Mais après route la fin fête, gon bay qui pral passer après route la fin fête. Pour gagner les cantiques nous capable traverser dans Exode chapitre 13 et chapitre 15, les cantiques du peuple d'Israël. Les cantiques du peuple d'Israël. Peuple a chanté et a pleuré. M'ta aimé lire quelques cantiques pour même et quelques textes qui parlaient de cantiques yo. Là nous t'apprend Exode chapitre 15. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier.
L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Je veux lui rendre un hommage. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Amen. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des gens. Les flots les ont couvertes. Ils ont descendu dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère. Elle les dévore comme du chaume. Alléluia. Elle les dévore comme du chaume. Donc, ça qui passe, Dieu l'y renverse et l'armée pharaon en dedans de l'eau. L'œil au fin rivé, et puis Dieu a dit à Pharaon, Dieu a dit à Moïse, longez bâton, sous de l'eau encore, et puis d'un simple geste, avec un petit geste seulement. plus grande armée d'antan couvrit totalement, submergée par l'eau et engloutie. Non seulement Dieu fin dépouillé, l'y renversé, mais tout, vous connaissez ce que fait? L'armée a perdu. Depuis les Égyptiens, raté occasion grande puissance là. Li fini, li caduc avec le peuple d'Israël. Le peuple a chanté les louanges du Seigneur. Après chaque combat, toujours gon réjouissance. Mais sans message là, je dis, à deux nouveaux combats. Après chaque combat, gagne yon réjouissance. Parce que ou t'es en face yon problème, et bon Dieu résout le problème là. Année 2020 a passé avec un pile difficulté. 31 décembre, jodi a n'a bay bon Dieu gloire. N'a pleuvé men nou en l'air pour nous dire gloire à Dieu. Mais faut konnen bataille ou sous la terre pas fini. Faut konnen gen jouk pral vini ki pi mauvais. Faut konnen gen moment k'ap vini ki pi dur que moment k'ap passé. Parce que m'a tout dit ça jodi a, la terre pas gen bonne nouvelle pour porter aux croyants. La terre pas gen bonne nouvelle. C'est mauvaise nouvelle tout seul, mauvaise nouvelle tracassante. D'ailleurs, ça nous comprend. Non, dans les Saintes Écritures, ça nous comprend. À chaque fois que nous avançons vers la fin ou bien nous avançons vers la piété, eh bien, trahir nous vient plus raide. Et Ecclésiaste dit, qui augmente sa science, augmente ses douleurs, ses peines. Le psalmiste Moïse dit comme ça, nos jours s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes 80. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Vous entendez ça le dit? L'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Ça veut dire qui ça? Tout le temps, on va pas avancer en âge, peine ou à venir plus. Ou pral connaît repos, le grand jour repos à venir dans la gloire du Seigneur. Mais tout autant que nous sous la terre, nous appelons pour nos batailles, pas faire lâche, camper pour résister contre les assauts du malin. Donc là, oui, nous sommes capables de glorifier le Seigneur parce qu'il fait ça pour nous. Mais maintenant, tu es tout bien combat pire red captant nos pieds devant. Et bien, c'est ça que fait. Les fin chanter, les cantiques, les fin assister prodige qui gagne. Les fin ouais qui ça Dieu fait. Ils ont gardé Pharaon derrière. Ils ont gardé Boyo, bon rivage là. Et bien, ils ont capté nos pieds devant. Et bien, pour me dire, ils regrettent tant ça. Que vous êtes venu passer là et vous demandez de tourner en Égypte. Je ne sais pas si vous demandez de tourner en Égypte, mais je ne sais pas si avancer. En nous, le texte que nous trouvons dans Exode chapitre 15, immédiatement, vous finissez de chanter les cantiques et les louanges du Seigneur. Regardez ça qui peut arriver. Je vais lire Exode 15, verset 24 pour vous. Alors, verset 23. Ils arrivaient à Mara. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère.
d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Yo rive en côté dans désert là, côté que yo rive dans zone qui gagne de l'eau. Gloire, l'air au jeune gloire, tout peuple a été soif de gloire. Après trois jours, après environ trois jours de marche. Après trois jours de marche dans le désert. En garde pour nous, dans verset 22, Moïse fit partie Israël de la mer des gens. Il prit la direction du désert de Chaux. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Après trois journées de marche, ils n'ont pas joué de l'eau pour boire. Ni pour les bêtes, ni pour les timoun, ni pour les grands moun. Après trois journées de marche. Le chiffre 3, c'est le chiffre d'intensité. Le chiffre 2 ou 3, c'est le chiffre du témoignage. OK? Le chiffre du témoignage. Maintenant, après trois jours de marche, que a marché, on dit 72 heures, il n'a pas joint de l'eau. Et là, il aurait si joint de l'eau pour joindre là. Pour qui ça, bon Dieu, conduit là? Pour qui ça a joint ça? Là, il aurait si joint de l'eau, joint là. Eh bien, c'est mara, amer. Il joint amertume. Ça fait partie de l'affliction. En d'un peuple là, pour gagner bagay qui pourra sortir contre Dieu. Et Dieu pourra le météo sous, Dieu pourra le météo nos conditions pour le capable former. Puis, quand oublier le peuple d'Israël, elle était en Égypte, gagner bagay, gagner instruction ou pas tap kapran. Parce que yote assujetti yo. Et là, au fin retourner ou dans, m'a tout dit ça comme chrétien. L'autre en Égypte, en symbolise, c'est comme dans le monde. Et l'autre fin traverser, la mer rouge, c'est comme ou passer dans le baptême d'eau. Et l'offre finit passer dans le baptême d'eau, mais ou en face le désert, ou dans le désert. Et pendant que vous dans le désert, on dit pendant que vous dans le désert, vous comptez ça qui a passé là, eh bien, ou dans la tribulation, côté que ou en phase pour apprendre les épreuves de la vie après nous. Donc, épreuve, après les cantiques, après, et après la victoire, sur l'armée de Pharaon, après la victoire devant la mer rouge, il y a les cantiques, les louanges. Il y a les cantiques, les louanges. Mais après les louanges, il y a Mara. Après les louanges, il y a Mara. Ça pas fini encore, Il y a Mara. Mara, attends nous. C'est l'affliction. C'est l'amertume. C'est la tribulation. Mais pour qui ça, Dieu, il conduit peuple là vers Mara. Mabdou, pour qui ça conduit peuple là vers Mara? Il conduit vers Mara, c'est parce que je voulais apprendre. Yo. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Qui ça n'a boué? Nous vivons bonne loi, mais qui ça n'a boué? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Mais avant que Dieu bat instruction, lui permettre que de l'eau douce, lui fait, lui jeter bois, qui c'est symbole de la croix, et qui peut tomber dans Mara, qui c'est symbole des afflictions, qui c'est symbole la rivière, qui c'est symbole du peuple, il peut le faire douce. Et puisque le douce qu'on y a, peuple a boué l'eau de Mara. Et là, au fin boit de l'eau de Mara, il dit, c'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut qu'il le mit à l'épreuve. Alors, faut me dire, mes chers amis, programme ça, li fait spécialement sous le nom de Radio Télécristal. Et c'est eux même qui m'ont opportunité pour me capable parler avec vous, j'aimerais parler avec vous là, pour qu'attendre ça qu'a dit là. L'important est le PDG Paul Belloni partager ça avec moi pour dire Pasteur Prudence, nous besoin pour premier jour de l'année, premier dimanche de l'année, pour qu'on parole qui dit avec peuple là dans le monde entier. Ça t'est touché pour mal devant le Seigneur. Pour me dire, Seigneur, qui parole que me gagne, que me ka dit avec le monde entier, parce que c'est vous-même qui gagne parole, yo. Et li rappelé, li voyé aller dans le texte, ça, pour le dire comme ça, attention, à chaque fois, moun kon délivrance dans la vie, yo content, yo fait fête, mais gagne pi du kap vini. C'est pour une prophétie ou bien une révélation que
moi recevoir pendant que me t'a dormi ou bien comprendre. Non, c'est pas ça. Révélation li là, c'est comme ça marche croyant, c'est comme ça marche chrétien. À chaque combat ou bien à chaque bataille sur la terre que ou fin gagner ou chanter les cantiques ou glorifier le Seigneur, gagne un captan nous puis devant et c'est ça que fait nous dit à de nouveaux combats. Donc après que le peuple fin traverser la mer Rouge et yo pral chanter les cantiques de louange que bien peut-être ou même ou fin passer année et puis ou glorifier le Seigneur, mais gon bagay qui pral tannou mara devant amertume affliction devant problème yo devant. M'pa konn ki nature problème ça, m'pa konn ki tête chargée que le gen, mais même si rien pas arrivé, le monde gen problème. Voyons l'affaire de vaccin, l'affaire de la vaccination. Gen un documentaire que m'tap tande sur la vaccination, li dit comme ça, yon médecin, li dit vaccin yo lè ou vini avec yo, parce que OMS a travaillé en pile sur ça et le président élu Joe Biden li fait mention de ça. Et tout grand tête yo, tout président yo, y a fait mention, c'est mettre restriction sur un paquet de monde de pour pas prendre vaccin ou pas prendre le travail. Qui t'aime dire un bagaille? Mais qui ça yo dit? Mais qui ça scientifique yo dit? Scientifique yo dit comme ça, il y a des scientifiques qui dit comme ça. Vaccin yo en pile fois yo toujours bay problème parce que les pour bay un monde en piqûre, pour bay une injection, c'est en fonction de nature de maladie moun nan, de qui ça le souffrit. Est-ce que yon vaccin capable unique pour tout monde dans tout monde là? Ni ti moun ni grand moun. Donc yo di comme ça, même vaccin avant d'arriver faire cous dit pendant que yo dit la guéri moun, il katouye en pile moun. Vaccin lui-même li pose problème même nan mitan scientifique yo, vaccin. Donc qui remède que le monde gagne ou bien qui solution que le monde gagne? Jésus-Christ de Nazareth. Et toute vicissitude yo. Est-ce que le monde a battre pour ouais c'est la bloquer problème pour la bloquer tête chargée? En vérité, ou pas capable parce que le monde plamé bon Dieu kembe tout ça qui a passé dans le monde et c'est ça que fait moi dit ou même pas gagne sa pièce parce que non seulement mara tan nous mais gagne prescription gagne ordonnance gagne bagaille que bon Dieu veut que vous comprenne bon garder pour vous. Non dans Exode chapitre 15 le verset 26. Ouais, non, m'appli verset 25 là. M'te gen tan li on parti la dan, bon m'fin li reste là. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. C'est là que bon Dieu mette peuple là pour le capable bal ordonnance et prescription. Et c'est là tout li pral mette là l'épreuve. Est-ce que ça te passe ou pas t'épreuve? Est-ce que ça passait déjà au pas de tribulation? Oui, il y a des tribulations. D'ailleurs, le peuple a passé 430 ans dans l'esclavage. Il est vrai que une bonne partie de la vie au pas qu'on est dans l'esclavage. On dit 400 ans. On dit 350 ans. Donc, il était passé en Égypte sous le poids de l'esclavage. Maintenant, qu'on y a, le peuple a à peine traversé après 3 jours de marche. Dieu, après 3 jours de marche, il a fini de quitter la rivière là. Et au fin de quitter la mer Rouge là, après 3 jours de marche, Dieu pral dit au comme ça, au comme ça passé là, m'a ban nou ordonnance. Qui côté le pral bay ordonnance? C'est dans Mara. C'est le ap murmurer. C'est le où yo fait face avec une difficulté. Ça veut dire qui ça? Révélation et leçon que nous voulons prendre dans ça. Ça veut dire que en pile fois, les problèmes yo vini, yo pas vini pour malheur nous. Yo vini pour bonheur nous. Affliction yo vini pour bonheur nous. Amertume yo vini pour bonheur nous. Yo vini apprendre ça à l'église là. Apprendre ça zanmi m'k ap tande. Yo vini pour ka konn plus de Dieu et yo vini pour bon Dieu ka parler plus avec vous. Et c'est devant Mara que Dieu mettait peuple à chita pour le faire pour le bail aux prescriptions mais qui gens pour yo vivre. C'est dans Mara il fait ça. Non seulement il fait de l'eau douce, mais quand il fait une prescription, et puis il conduit à Elim. Elim a 70 palmiers, et puis il a 12 sources d'eau. 12 sources d'eau, cap jaillit, et puis Elim a 70 palmiers. Ça semble son soulagement, son ouf de soulagement que vous prenez. Puis vous oubliez, après chaque combat, après chaque difficulté,
Chaque prière gagne amen. Go lok a dit amen. Go lok a dit gloire à Dieu. Go lok a dit béni soit l'Éternel. Go le tout s'écrit ou pral crier. Go le go le s'écrit ou pral crier. Go le dit Seigneur, pour qui ça am comme ça? Pour qui ça passe comme ça? Pour qui ça fait comme ça? Et mais la fête c'est pour qu'a apprendre leçon que Dieu besoin ba ou dans Mara. Ou pral traverser Mara. Mara c'est symbole d'affliction que le peuple d'Israël pral connaît. Après tout prodige. On va entendre ça le dit. Traverser la mer rouge. On va entendre ça le dit. Englouti l'armée de Pharaon. On va entendre ça le dit. Passer dans abîme dans oui. Après 3 jours de marche, pas gain de l'eau. Après 3 jours de marche, nous faibles. Après 3 jours de marche, nous soif. Et puis il conduit qui côté vers Mara. Mara moun pas ka boire de l'eau ça. Si c'est pas ton sacrifice qui t'est fait, c'est pas la puissance de Dieu dans son là dans nos pas ta capacité. Et c'est ça que fait Mara. Mara c'est symbole, non seulement symbole d'amertume on dit ça, mais c'est lieu côté que peuple a douchi ta pour prendre instruction dans affliction, dans problème là. Remarquez bien, les fin traverser la mer rouge, les a loué Dieu pas dit rien. Dieu a recevoir hommage. Mais quand il a les a plein, yo chita yo dit qui ça qu'a passé comme ça? Et c'est là Dieu pour le faire leçon yo. Et c'est là que Dieu pour le mettre yo à l'épreuve. Donc ça c'est l'autre étape qui gagne dans le combat. À nous garder pour nous, il y a l'autre étape qui gagne dans le prochain et dans le prochain combat pour le gagner. Leur fin traverser la mer rouge, leur fin traverser la mer rouge et leur fin chanter et leur présenter devant Mara, ils ont trouvé à Elim. Elim, 70 palmiers, c'est symbole de la perfection, hein? Symbole de la perfection. Le niveau monte. Les nous sortis non après la mer rouge, nous aller nous glorifier le Seigneur dans le désert. Mais après 3 journées de marche, nous trouvons nous devant Mara. Après les inscriptions et les ordonnances, nous trouvons nous à Elim. Gloire à Dieu. Gon côté la menéon avant rentrer à Elim. Gen bagay ou pral gen nan mon, faut te kon moment douloureux et puis faut te gen prescription et ordonnance de Dieu pour faire face à Elim, pour rentrer à Elim. À Elim, gen repos. À Elim, gen soulagement. À Elim, gen soulagement. Yeah. À Elim, gen repos. À Elim, gen paix. À Elim, pas gen soif. À Elim, c'est côté pour nous reposer, nous, hein. Pour nous passer un temps, pour nous parler yon avec l'autre. À Elim, c'est côté nous faire fête. Pour tout le monde, nous apprendre l'eau. À Elim, c'est côté nous glorifier le Seigneur. Parce que c'est symbole de perfection. Gloire à Dieu. À Elim, Pas oublier. La mer rouge, les cantiques, Mara, Elim. La mer rouge, les cantiques, Elim. Mara, Elim. À Elim, ou gagnez, on côté que au capable de respirer. Mabzou, bon Dieu, pas quitter dans le voyage là. Bon Dieu, pas quitter dans la route là. L'icône qui côté pour le métro, l'icône qui côté pour aller avant. À Elim, ça intéressant. Nan année à ou gagnez pour qu'on est. On dit que nous traverser, on dit que nous passer la mer rouge déjà, hein. On dit que nous traverser à mes fortes et à bras étendus, nous traverser 2020 déjà. Nous traverser 2019 pour nous-mêmes qui en Haïti, nous passer pays lock, nous passer tremblement de terre. Pour nous-mêmes qui en Haïti, nous passer kidnapping, nous passer insécurité, nous passer révolte, nous passer coronavirus. Nous traverser coronavirus, on dit ça. Coronavirus est toujours là. Mais cependant, en 2020, ça t'a fait une grosse explosion. Et jusqu'à présent, nous continuons à compter des cadavres dans les nations. Donc, on dit que nous quittons Odeh. On dit que nous traversons 2021 avec tout ça nous connaissons. Avec tout esclavage que nous connaissons. Avec toute pharaon nous connaissons. On dit que nous engloutissons dans la mer rouge. Mais, on suit la transition. Nous sommes chanter les cantiques dans le 31 décembre, pas vrai? Nous sommes chanter les cantiques l'église. Au matin, nous adorons en pile. Hier soir, nous adorons en pile. Nous sommes chantés les cantiques, pas vrai? Eh bien, puisque nous chantons les cantiques, eh bien, d'un côté, nous pourrons joindre, deuxième phase, nous pourrons joindre dans l'année, c'est Mara. Vous pourrons croiser Mara. Vous pourrons croiser Mara. Et l'on croiser Mara, c'est pas bon Dieu qui est absent. Dieu est toujours là. Mais il a besoin de bonnes prescriptions, il a besoin de bonnes ordonnances, il a besoin de bonnes leçons que vous pouvez prendre dans l'année passée. Il a besoin de bonnes leçons dans l'année 2021. Et l'on finit de traverser dans l'année, ça. Je ne sais pas combien de temps que Mara pour la prendre. Et peut-être c'est dans année ça même monde qui compte Marayo après les ordonnances et les instructions et mais nous pour trouver nous à Elim dans la marche du chrétien
on reposoir, on côté que nous ca parer soleil nous, on côté que alléluia, nous ca boîte de l'offre nous, on côté nous ca faire connaissance, on côté que nous ca faire fête, on côté nous ca dit bon Dieu merci parce que sauvez nous à mes fautes et à bras étendus côté nous sortir. Mais on petit bagaille qui pourra le présenter, là. Est-ce que le combat fini? Est-ce que l'objectif de Dieu c'était de conduire le peuple à Élim? Non, 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 non. Levez, sortez à Élim. On nous prend marche là encore. On nous marche encore jour et nuit pour nous avancer. Mais un petit problème, un souci. Manger nous fini. Pas de manger dans la route là. Manger nous fini. Et qu'on y a, le peuple après le fait face. T'assemblé ordonnance qui te gagne déjà eux. Yo te manqué comprendre ni. Yo pral faire face devant situation difficile. Alors, chapitre 16. Exode chapitre 16. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et les Israélites leur dirent que nous sommes nous morts par les mains de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Quel texte! Quel texte! Bon, toi qui chantait dans Isaïe, il dit, même écrit dans la main, bon Dieu. Nom écrit dans la main, bon Dieu. Li connaît tout parcours. Li connaît ça que nous pral endurer yo. Et li fait provision. Alléluia. Les peuples a murmuré après yo sorti à Élim. Après la joie, après contentement, après satisfaction. Attention pas prêter à Élim. Ou pas gen pour rester à Élim mon frère. Ou pas gen pour rester à Élim ma sœur. Ou qu'on a un moment de soulagement. Mais objectif, vous, c'est aller Canaan. C'est Canaan pour aller. Désert chaud, c'est vrai. N'a pas de soulagement, mais c'est Canaan pour aller. Et le peuple a ouais, vrai, tout bon vrai, il n'a pas mangé. Le peuple a commencé à penser avec viande, il a été conjoint. En bas, gros coup de fret. En bas, gros coup de chapelet. Que il a été apprend dans l'esclavage, dans la honte. Et puis, il a songé, mamie de viande. Et puis, il a dit Moïse ça. Et yo vexé l'Éternel. L'Éternel dit comme ça, m'a voué pain pour nous. Et m'a le mettre nous à l'épreuve. Et m'a dit, tout ça vous rencontrer dans la vie, c'est des types d'épreuves que vous avez dans la vie. Il y a les persécutions et les épreuves, c'est l'autre débat. Les persécutions, ça vient du malin. Et les épreuves de l'adversaire. Et les épreuves, li by, bon Dieu, by permission pour souffrir même. Car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ça qui peut passer côté que les arrivés et la face côté au besoin pain, Dieu baio la manne. La manne, mes chers amis, c'est le pain de vie. C'est un symbole du pain de vie que lié pour passer soif. La manne, te gain toute substance que moun te ka bien pour vivre. La manne, c'était des formes de coriandre que le té. L'on prend la manne nan, ou pas prêter pour joindre la manne à terre pour mettre dans bouchou, mais Dieu pas jamais remet gaspiller pain. Il pas jamais remet gaspiller sale baou. Puis gobliye gen bagay que bon Dieu pral ba ou nan ane sa, c'est pour faire de bonne gestion avec sa genyen. Le bon Dieu ba ou, c'est pour konn ki es pou bay et ki jan pou bay, ki façon pou bay. Et faut konn ki jan pour utiliser sa bon Dieu pral ba ou nan abondance que le pral pote pou. Son année d'abondance, certes, mais ou apren en pile préparation avant arriver dans soirée nan année d'abondance sa. Dieu apote abondance, mais seul bagay, la baye ou la manne chaque jour, la di ou ki jan pour yo manger la manne. Parce que bon Dieu pas remet les manger à gâter pour y jeter manger. Li pas remet ça. Il dit ma ban nou la manne. N'a prendre pour nous. Premier bagay pour Israël fait les ou pral ramasser la manne, faut connait combien moun ki gen la caille là. Ça c'est la gestion. Parce que bon Dieu pas gaspiller peine.
faut yo connaître, il sorti dans les hauts, dans les cieux, en haut il sorti oui, et Dieu de l'abondance qui bali oui, il pas bon bagaille pour gaspiller, il pas bon onction pour gaspiller mon frère, il pas bon prédication pour gaspiller, il pas bon nourriture pour gaspiller, il pas bon caille pour gaspiller, ni machine pour gaspiller. Li ba ou pour très rationnel. Il dit qu'on ça m'a bailler la manne avant pour nous al prendre la manne pour nous capable et avant pour nous prendre la manne mais qui ça n'a fait n'a contrôler combien moun nous gen la caille nous si nous gen 10 moun la caille nous n'a prend pour 10 si nous gen 20 moun la caille nous n'a prend pour 20 si nous gen 5 moun la caille n'a prend pour 5 si moun qui prend pipitia li pas perdu rien moun qui prend plus là tout il pas manger plus donc gen pas tendez qui al prend la manne qui te gen 10 moun la caille qu'elle prend la manne pour 20 moun 10 pour 10 en plus la 10 la gâté tant que c'est bête qui mouri la caillou et les ou devez demain matin yo juste à jeter ça ou te prend parce que Dieu te gen t'en parler yo ou pas gen abondance la caillou mais bat pour abondance la pas gâté sou fait mauvaise gestion dans année ya dans année k'ap vini yo donc là peuple a te fait face avec murmure les ou a manger chaque jour et puis yo dit au besoin viande puis oublier la manne que Dieu te bay là. Il te gen succulent, il te gen toute vitamine nécessaire. Il pas même besoin viande, il pas même besoin lait, il pas même besoin l'autre nourriture. Il te assez, il te succulent, il te gen substance assez pour te capable prendre soin moun yo pour faire 40 ans dans le désert alors que route là c'était 40 jours culté. Tendez bien. Les yo prend la manne, y a manger et puis yo commencer parler mal sous la manne. Yo dit yo besoin viande. On ça l'Éternel fait yo au compte ça l'Éternel fait il dit pas de problème Moïse peuple a murmuré pas de problème et même m'a voyer viande pour yo et viande que le voyer pour yo il voyer caille la son série de petits oiseaux qui posaient qui doux et puis mon yo prend viande là Dieu pas mettre restriction il pas dit combien pour prendre combien pour pas prendre puisque c'était volonté il y a la volonté absolue et la volonté permissive puisque c'était la volonté permissive de Dieu c'est yo demander il y a pas même des besoins et ben yo prend yo prend viande yal manger viande gardez pendant viande nan dan yo comme ça texte la dit y a mouri avec viande nan dan yo pour yo quitter avarice parce que le bon Dieu bail les contingent bail façon que bon Dieu bail là les contingent contentez-vous de ce que vous avez ça bon Dieu maintenant mais on lance pour contenter avec lui donc après les fin manger après les sorti passé à Elim yo saute glorifier bon Dieu yo pral faire face dans désert là côté que yo pral faire face devant la manne du ciel et dans face devant la manne du ciel malgré ça yo pas satisfait yo pral faire face avec vienne yo pral dans gorge dans dents yo et puis l'Éternel pral péter fiel yo pendant que yo même y a mangé vienne pour qui raison c'est parce que yo mandé le mal c'est parce que yo pas peser poids ça l'Éternel fait yo bon Dieu reme moun qui reconnaissant bon Dieu reme moun qui reconnaissant. À chaque combat, à chaque bataille, et puis vous réussissez, eh bien, il faut créer un espace, un moment de louange pour capable glorifier le Seigneur. Mes chers amis, mes chers internautes, c'est pour même matin que nous t'avons parlé, c'est pour même message ça y à de nouveaux combats. C'est pour même message ça. Et nous avons plusieurs réactions à travers et contre là. Nous avons plusieurs réactions. Il y a plusieurs monde qui branchent nous bay bon Dieu gloire mais cependant c'est pour prendre leçon ça jodi a question pour vivre pour pas connaître c'est blier ça faut connaître mon peuple meurt faute de connaissance et ça au besoin connaître jodi a au besoin connaître nous rentrer dans l'année 2021 non l'autre combat ça passé ou pas fini c'est pour très vigilant pour affronter la vie ma sœur c'est pour vigilant pour affronter la vie mon frère. C'est pour très vigilant, zanmi myo, pour affronter la vie. Parce que la victoire est certaine. La victoire est en Jésus. Chantez les cantiques, ou traversez Mara, ou après Mara, ou prenez les instructions et les ordonnances, ou rentrez à Elim. C'est pour qu'on destination ça, pour qu'on arrive. Et maintenant, marche ou. Et bien, pour avoir un soulagement, qui a la manne pour le soutien en haut dans ciel là. C'est la seule génération qui mange la manne. C'est pas on nourriture que vous jouez dans pièce pied bois, ou pas jouez dans pièce bête, ou pas jouez dans pièce aliment. Ça, c'était effectivement, c'est un mémorial culté dans le peuple Israël. Là. Mais vous raté l'occasion pour glorifier le Seigneur. Au lieu de satisfaire de la manne,
du ciel. C'est la seule génération qui a mangé la manne sur la terre. Après, ça n'a pas de monde qui a mangé la manne encore. Mais tout aujourd'hui, il n'y a pas raté l'occasion dans bon Dieu. Et si vous ratez l'occasion, la très chère. Vous ratez l'occasion pour vous passer 40 jours seulement dans le désert. Vous venez payer ça 40 ans dans le désert. Et là, vous avez fait 40 ans dans le désert, génération mourit. Attention, attention, attention pour pas rater l'occasion devant le Seigneur. Un miracle, un prodige que l'elle fait, c'est pour contempler, c'est pour d'accord ça fait. Et pas au hasard ou passer 2020, hein? Ou pas passer 2019 au hasard, ou pas passer 2002, toute année passée au hasard, c'est pas au hasard. Et sous rentrer dans l'année 2021, il était écrit pour rentrer dans l'année 2021. Et puisque il était écrit dans l'année 2021, il y a une possibilité pour capable faire succès dans mon Dieu. Et mes chers amis, c'est pour bon Dieu capable garder vous. Et chers auditeurs de la radio Télé Cristal, c'est pour bon Dieu capable bénir vous. Pasteur Belloni, Paul Belloni, ou même qui a fait un bon travail, c'est pour bon Dieu bénir vous. Tout staff de la radio Télé Cristal, c'est pour le Seigneur bénir nous. Tout internaute de Détente Info, tout internaute de l'église Philadelphie de Binéjek, c'est pour bon Dieu bénir nous. Tout monde qui a suivi programme ça aujourd'hui, c'est pour bon Dieu permettre que vous traversez l'année 2021 avec autorité. M'attend nous premier dimanche du mois de 2020, premier dimanche du mois de l'année 2022. Premier dimanche du mois de l'année 2022, M'attend nous premier dimanche du mois de l'année 2023. Nous gain rendez-vous 2025, nous gain rendez-vous 2026, 2030. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et m'ta remè sous tombé, sous aller, c'est pour aller avec flambeau, c'est pour aller avec couronne, amen. C'est pour aller avec la gloire de Dieu. Christ est ma vie, l'espérance de la gloire. Christ est ma vie, l'espérance de la gloire. Christ est ma vie, l'espérance de la gloire. Pas gen rien pour me peur, nané ça. Pas gen rien pour me peur, pas gen pal en pile ça. Pal en pile ça fini dans le nom de Jésus. N'a traversé année de, non seulement n'a traversé année 2021, mais n'a fait exploit là-dedans, n'a fait exploit. Parce que Dieu relo pour faire exploit. Dieu relo pour vivre miracle. Dieu relo pour vivre prodige. Na vivre les prodiges. Les miracles de Dieu sont certaines et véritables. Ou même kap gade ya qui sont tout malade. Mettez mon côté malade là. Et Dieu est capable de guérir dans un moment ça. Et c'est pour traverser année ça avec un témoignage rare. C'est pour traverser là avec un témoignage rare. Et Dieu a une capacité pour être capable de faire vie ou. Vie ou transformer de façon que le monde pas espérer. Même ou pas espérer. Que le Seigneur en grâce capable de couvrir aujourd'hui, que la puissance et la gloire de Dieu capable de couvrir dès maintenant et pour toujours. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous glorifions en ce midi et cette soirée, nous bénissons parce que c'est bon Dieu nous, ou sans égal, ou même Seigneur Dieu d'amour qui t'es sauvé et les Israélites dans mes pharaons, à mes fortes et à bras étendus et pour conduire vers les eaux. Et vous conduire dans le désert et vous faire traverser jusqu'à ce que vous allez Tanyo, pour aller Canaan. Et Seigneur, c'est peut-être ça nous vient devant. Nous connaissons, tu es le Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour cette raison, nous demandons tant prie, mon papa, toucher chaque monde qui t'a tendé émission ça, qui t'a gardé émission ça, qui t'a vive émission ça. Touchez yo même qui confiné, yo même qui non coin, yo même qui ont côté. Nous demandons tant prie, mon papa. Agis puissamment pour nous-mêmes, pour nous capables toujours être valables et pour pièces mauvaises nouvelles pas sortir de nous-mêmes à l'autre côté, mais au contraire ces bonnes nouvelles à travers faiblesse nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prions. Amen. Bon dimanche dans le Seigneur et bonne et heureuse année 2021. Que Dieu vous bénisse.